pas été adopté. Figaro, 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 Figaro. Je vous demande une minute. Je finis le rassage, ok? Et je re-shampooine. Ah, cette belette est toujours là pour gâcher la fête. On s'en va, les enfants. Vous oubliez pas, madame. Je chope ces voyous et je vous ramène votre œuf. Hop là. C'est un jeu de mots. Ça se voit pas, mais je vous fais un clin d'œil, là. Une maman qui pleure, une jeune femme en danger. De méchants ennemis ont tout abîmé. Ce que je vois est un manque de respect pour ce qui est précieux et cher. Moi, je suis le protecteur de ce monde perdu. Mais mes amis m'appellent Duck. Bien wesh, les gars. Voici mon message. On ne veut pas vous. Rendez-nous nos affaires. Retournez donc chez vous. La 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 la. Je suis le plus grand, ne fais pas le méchant, si tu es jurassique, moi je suis fantastique. Figaro, 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 Figaro. Oh, j'adore ce passage. Courir, écraver, tournoyer, grimacer, patauger, plonger, remuer, glisser, essayer de subtiler. Ce sont toutes les choses que je fais avant le déjeuner. Tous les défier, narguer le danger. Je peux voler. Tu crois que je suis fou, mais hey, on ne vit qu'une fois. Ne me dis pas merci, mais si tu insistes, je fais l'artiste qui sent la pique. Hein? Accrochez-vous à vos miches. J'entre. C'est bien, Coco.